prolifération de l'homosexualité aujourd'hui dans l'Église. Vous verrez des prédicateurs, vous savez qu'il est prédicateur, mais derrière, il a son amant, un homme. Et ce prix du jour sera le révérend Raoul Wafo de la Côte d'Ivoire. Avec notre grand thème, comment manifester le règne de Dieu sur terre. Beaucoup de personnes. Sur ce plateau, alors juste avant, nous avons lu un texte dans Hébreux 6, 4, 6, Évangile Jacques. Peut-être qu'il faut revenir encore avant que vous puissiez nous donner aussi l'explication sur ce texte. C'est ces personnes qui ont déjà goûté à la gloire, qui ont goûté au Seigneur, ils ont tous eu du Seigneur. Mais ils sont en train de crucifier encore une fois de plus. Et ces personnes ont le droit quand même, parce qu'ils sont en train d'inverser les choses. L'homme ne va pas avec l'homme. La femme ne va pas avec la femme, mais aujourd'hui on le voit, les gens se marient même dans l'église, on marie ces personnes. Qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Premièrement, j'aimerais commencer d'abord par... Ce sont des attaques internes ou externes ? Les deux aspects. C'est-à-dire, il y en a qui sont déjà à l'intérieur, qui enseignent sur cela, et certaines aussi nous proposent de l'extérieur. Mais j'aimerais commencer par donner d'abord un message que j'ai reçu de la part du Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur m'a fait voir en songe, c'était dans une salle où il y avait plein de garçons couchés, et ces garçons-là, on le prenait par derrière, donc je vais expliquer comme ça, les gens vont comprendre. Mais j'étais étonné de voir ça dans ce songe-là, mais il y a eu une voix qui me dit: il faut que tu sonnes la trompette, il faut que tu en parles, il faut que tu dises, tu parles de cela au niveau de l'Église. Ça dit que c'est parmi des attaques, comme nous parlons là, on doit en parler, dire aux gens que ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. Parce qu'elles sont à l'Église aujourd'hui, comme on vient de soulever, il y a des hommes, c'est-à-dire des faux hommes de Dieu, je les appelle des faux hommes de Dieu, qui se sont introduits pour nous proposer faire cela, pour en fait obtenir du succès. Je te demande de te trouver un taxi. La gloire. Je suis là ce matin. Je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour, chérie. Je te dis bonjour, chérie. Tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voit. Tu me le dis, je veux comprendre, parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui ça va, aujourd'hui c'est fini entre nous, demain c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Certes, moi fait erreur, moi tombé, mais ça fait partie de l'évangile, mais moi levé dans le nom de Jésus. Amen. Pardon, bravo pour le Seigneur. Avec Jésus, parce que depuis l'aime converti, l'évangile te fait bien. Certes, moi fait erreur, moi tombé, mais ça fait partie de l'évangile, mais moi levé dans le nom de Jésus.